Salut à tous, c'est Ivanel. Bienvenue dans ce Let's Play Senno Kiseki. Devant un coffre piégé, allons-y. Come at me. Here we go. All right, let's do this. My turn. Allez, voyons voir. Ok, si je peux les congeler, ce serait pas mal. Non, plutôt par là. Vas-y, toi tu vas cramer tout ça. Je crois qu'il ne me reste plus personne à analyser. Si tu pouvais un petit peu me rassembler les ennemis, ce serait pas mal. Bien. Alors. Ouais, non. Ok, aucun problème. 55, 55 aussi, 55 aussi, parfait. Et ici on récupère un quartz de type mirage, super rare. Voyons de quoi il s'agit. Ok, donc un quartz qui nous donne la plus puissante magie de type mirage et qui en plus augmente notre magie de 80. C'est juste énorme ça. Donc je vais pas l'utiliser tout de suite, mais ce sera un joli petit cadeau pour Emma quand on sera retourné à l'académie. Ouais, c'est bon. Normalement, j'ai pris tous les coffres. J'ai dû analyser tous les ennemis. Donc on peut continuer. D'accord. Ouais. Ok, allons voir ce qui se passe.
Ok. On peut remarquer qu'il n'a même pas dit bonjour. Enfin bon. Ok. Bon, je vais pas parler à tout le monde. Bon, allons voir à l'intérieur ce qui se passe. De toute façon, on a quelque chose à y faire, donc... Ouais. Non, non, pas du tout. Ok. Ouais, plus ou moins, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que pas très amical. Mais enfin, ça se fait peut-être pas de dire ça devant Alyssa. Ouais. Ok. Bon, les monstres, ça devrait aller. On est là pour ça. Ok. Allez, voyons ça. Ok, c'est tout au fond.
Ok, alors. Voilà, il y a de nouveaux ennemis ici. Donc on va tous les faire avant d'aller au bout pour récupérer le minerai. Allez, Alyssa, en un coup. Bien. Ok, là tu me fais plaisir. Ça change. Ok. Je crois que c'est la meilleure magie de feu. En version normale. Donc je vais pas l'équiper. Et puis de toute façon, Alyssa finira par l'avoir. Que ce soit avec Criminel lorsqu'il va passer au niveau 5. Ou alors peut-être qu'on trouvera un quartz en version rare pour avoir cette magie. Allez, Alyssa, la même que tout à l'heure. Ok, dommage. Bon, ils ont l'air un peu plus résistants, ces trucs aussi. Ah, ils craignent un petit peu le feu, quand même. Génial, 56. Ok, avant de s'engager par ici, on va d'abord visiter un petit peu le reste. Allez, tout au bout. Il n'y a pas de coffre à récupérer, mais... Mais il y a une porte. Une porte, mais on peut pas passer et on n'a pas la clé. Ok, bon, effectivement, on n'a pas besoin de s'en inquiéter, mais... Bon. On sait qu'elle est là. Peut-être que ça aura une utilité pour plus tard. Alors. Ok, vérifier qu'on est prêt. Ça devrait être bon. Et puis on y va. Waouh! Il y a des méduses ici. Bon. Ok, il est vulnérable un petit peu au feu. On peut le congeler, l'empoisonner. Oh, ça devrait pas être trop difficile. Voilà, l'analyse c'est fait. Ah. Sérieux, c'est quoi ces monstres quoi?
il te pète dessus. Allez, congèle-moi tout ça. Ok, plus que le gros. On est à fond. Allez, Alyssa, tu vas nous faire ton S-Craft. Et je ferai celui de Rin après. Ok, comme prévu, ça l'a pas tué. Et ça, comme prévu, ça l'a tué. Bon. 56, 56, 56. Ok. Tout le monde niveau 56. Nouveau craft pour Fi. Voyons voir. Paralysé 50%. Délai plus 35. Waouh. Ok. Délai plus 35, je m'en rappelais plus. Ok, c'est bon à savoir ça. Bon, super. Tout le monde niveau 56. C'est pas mal. Ok, allez, maintenant, bah, il ne reste plus qu'à rentrer. Et apparemment, il faut qu'on se retape tout le chemin à pied. Je me souviens plus très bien. Bon, déjà, on va sortir d'ici. Puisque normalement, on n'a plus rien à y faire. Je pense avoir analysé tous les monstres. J'espère. Ok, allez, on s'en va. Bon, Alyssa a dit qu'elle voulait qu'on aille dire au revoir au chef. Alors, ouais, faisons-le. Bon, allez, on fout le camp. Ok, normalement, il devrait plus rester grand-chose à faire. Je pense. Donc, je vais redescendre tout en bas, forcément, sauf que... Peut-être que je vais... Peut-être que je vais couper, je sais pas. Déjà, je vais sortir d'ici. On va voir s'il n'y a pas un petit dialogue. Ok, il n'y a pas de petit dialogue. Bon. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre. Et puis, on se retrouvera devant la ville. Ok, ça y est, on est revenu. Il fallait bel et bien se retaper tout le chemin à pied. C'était complètement inutile, mais bon. C'est comme ça. Ok. Allez, on fait notre rapport par rapport au monstre. Génial. Un petit peu d'argent.
pas très sympa les soldats là. Bon. Et maintenant on va faire notre rapport par rapport à au minerai qu'on a récupéré. Et puis c'est bon. Qu'est-ce que vous faites là les deux là? Regardez. Ouais. Bon. Ouais, peut-être pas. Ok. Ok. Ouais, effectivement, tu pourras jouer plus tard. Là, on a des choses à faire. Oh, génial! 18 matériels. Ok, ça va me permettre peut-être de faire une arme pour ma casse. On verra bien. Pendant la deuxième journée. En attendant, on a fini la première. Ouais, du coup, forcément. C'est la fin de la journée. Bon. Aïe. Ok, ça sent les problèmes. Ok, descendre. Descendre par là. Ok, là ça va un petit peu loin quand même. Il bloque carrément l'accès. Bon, et eh ben on va descendre avec l'ascenseur, hein, puisqu'on n'a pas le choix.
Ils vont quand même pas se battre en pleine ville. Quoi, sérieux? En pleine ville comme ça et tout. N'importe quoi. Ok. Quoi qu'il en soit, utiliser des tanks en pleine ville comme ça, il a une conception un petit peu bizarre de la défense, celui-là. Ouais, ça c'est vrai. Ok, ouais, pas mal ça. Ils peuvent pas intervenir, ils peuvent pas les arrêter, mais ils pourront au moins protéger les citoyens. You're quite correct, of course. Both the provincial army and the railway military police have their own roles to fill, each important to the empire. Capitaine Claire. D'un certain côté, c'est quand même un bon prétexte, ça. L'expansion de la zone ferroviaire, enfin, du réseau, c'est quand même le bon prétexte pour qu'ils puissent intervenir un petit peu partout. Enfin bon, c'est le but aussi. For you then, how would you respond if a crisis were to occur in multiple places at the same time? Oh, Rufus. Ok, il y a du lourd là. Il y a du lourd dans les deux camps.
Captain Claire Revelt, I presume? It's a pleasure to make your acquaintance. I've heard much about you. It's an honor, Lord Alborea. Please, no need for formalities between us. Rufus is fine. Still, you seem puzzled as to what I'm doing in Ruhr. Or to be more specific, how I got here. Do I assume correctly? The country's railways are completely under your control. Had I taken a train, you would have known it. And yet, there are no signs I passed through Ruhr Airport either. The truth is more mundane than fantastic. I arrived aboard the Alborea family's private airship, which currently sits just off a highway on the outskirts of the city, awaiting my return. Blind spots are an unavoidable reality. We all have them. As on the ball as you are, you do well not to overestimate your own superiority. After all, the hardest falls are the ones we don't see coming. I'll be sure to keep that in mind. Sérieux? Now, isn't it time both sides withdrew? Ouais, ça vaudrait mieux. And remove those unsightly vehicles from the streets at once. A provincial army must conduct itself with valor and grace at all times. Would you not agree? Bon, ça va. Ça finit pas en explosion. Bon. En tout cas, Rufus, comme d'habitude, beaucoup de charisme. Bon, grâce à lui, on a évité la baston, mais... ouais. Ok. Ouais, ça c'est vrai.
Oh, il n'y a pas de mal à se détendre et à rigoler 5 minutes, Mathias. Ouais, toujours aussi impressionnant. Ah. Waouh. Ok, j'aime bien parce que ça fait à la fois, bon voilà, à la fois luxueux. Voilà, c'est, on voit bien que c'est une maison de riche, mais je sais pas, il y a quelque chose de, ça fait pas non plus complètement, ça fait pas, comment dire, c'est luxueux, mais il y a quelque chose qui fait qu'on on pourrait s'y sentir à l'aise quand même. Ouais. Ouais, franchement, j'aime bien. C'est grand, mais pas non plus trop grand, quoi. Enfin, c'est quand même grand. Ah ouais, ça c'est clair. On va pas commencer à manger sans elle. Ça se fait pas. Et donc, mauvaise nouvelle, elle peut pas venir, c'est ça, finalement? Ah. Bon, voyons voir comment Alyssa va réagir. Forcément, ça va pas lui plaire, mais c'est surtout un peu triste, en fait. Ok, donc ils ont commencé à manger, forcément. Ok, non mais là ça va, elle est contrariée, donc il y a une forme de logique. Tu peux y aller. Ça c'était pas sympa ça. Ah.
Ok, visiblement, elle vise personne, n'est-ce pas, Rin? Mais bon, le problème, Alyssa, tu vois, c'est que Rin, c'est le personnage principal, donc malheureusement pour toi, il a tous les droits. Et rentrer dans les chambres, explorer un petit peu partout, c'est son privilège, et tu ne peux rien y faire. Donc oui. Nous allons rentrer dans ta chambre un petit peu plus tard. Ok, donc nous voici chez Alyssa. Voilà une belle maison. Franchement, j'aime bien. On va descendre d'abord. On va descendre, voilà ici, c'est sympa. Ouais. Là-bas, la cuisine. C'est bien une cuisine. Ouais. Bon, donc à partir de la prochaine fois, j'irai un petit peu parler à tout le monde. Ils sont éparpillés dans la maison. Puisque voilà, on a un petit peu de temps libre, on verra bien ce qu'on va y faire. Je sais pas où aller. Je sais pas où me mettre. Bon, en fait, je vais remonter. Donc voilà, je visiterai un petit peu ici. Enfin non, je vais pas visiter, il n'y a rien à visiter, mais il faut juste aller parler à tout le monde pour qu'on puisse ensuite enchaîner sur la suite de l'histoire. Allez, en attendant, je vous dis bye, salut à tous!